Salut, salut. Alors voilà, on part bientôt en vacances et là on se retrouve pour un vlog où on prépare un petit peu les vacances. Ok, là on est à Carrefour. On va acheter des courses, enfin on va acheter des courses, on va faire des courses. Du style pain de mie, vous savez les trucs rapides là qu'on mange en vacances. Si les gens ils me regardent en train de vlogger, ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. Ils sont curieux, hein. Bon. On a fait un bon stock de viande, sachant qu'il y en a beaucoup dans mon congélateur, mais bon, là pour les vacances, on s'est dit qu'on allait ajouter. Je viens d'appeler l'hôtel, enfin l'hôtel, le camping, pour demander s'il y avait. Vu qu'il y a un barbecue fourni. Avec les ustensiles et tout, je demandais s'il y avait du charbon. Ils ont dit que c'était à la bobine de gaz, je sais pas quoi là, et qu'ils la fournissaient, mais que c'était à notre charge. Duro. Bon, on verra sur place, hein. Vous verrez dans le prochain vlog. Je suis trop contente, les gars, je jubile. Et je suis trop contente. En fait, je suis plus contente, je pense, parce que je pars vraiment en famille avec ma fille et tout. Trop bien. Faire un topo un petit peu de ce qu'on a pris. Viens voir Mikey. Lui s'est pris un short de bain comme chaque année. Je sais pas pourquoi il en achète toujours des nouveaux. Ensuite, on a pris un sac pour les enfants. Vous savez, pour mettre tout ce qui est biberon et tout. En fait, on avait un sac, mais il est nul. Donc, on préfère en mode sac de sport, quoi. Ouais, c'est bien. On n'a pas pris de Nike cette fois-ci. Hein. Ça va. Hein. Non, mais c'est bien, c'est bien. Regarde. Ça va. C'est hein. Qui connaît pas Kista? Hein? Qui connaît pas ça? Vas-y, mets-le en mode sac de sport. Là. Ouais. Par exemple. Ouais, ouais, c'est mieux pour mettre tout ce qui est couche, tu vois. Kista. Voilà. Un délire comme ça. Hein, comme ça, papa. Ça fait genre papa va au foot, or que dedans il y a des biberons. Hein? Le short, il est à 4 euros. Et le sac à 8 euros. T-shirt à 3 euros. T-shirt à 3 euros. Montre mon t-shirt Adidas. Ça, c'est un t-shirt Adidas qui était à combien, Loulou? À 14 euros. Ils l'ont mis à 7 euros. Ils l'ont soldé à 7 euros. À la base, c'est pour moi, je l'ai pris parce que c'est un XXL et je voulais qu'il me fasse un petit peu robe. Donc, je vais l'essayer, on va voir ce que ça donne. C'est sûr que c'est pour toi parce que là, ça me va. Donne-moi ça. Il me va mieux qu'à Mike. Hein. Et en mode, c'est pour que ça fasse une petite robe. Je mettrai un cycliste en dessous parce que ça vole un peu là. Ça vole. Hein. Il a pris un t-shirt blanc comme ça, basique, et il a pris le même en noir. Vous savez, ça, c'est les essentiels à avoir. Bon, il en a, mais c'est toujours mieux que ce soit neuf. Mike, c'est qui est ton... Ah non, c'est bon. On a pris un petit peu de gâteau, goûter... céréales pour le matin, panaché la base, cidre. C'est un peu comme le panaché. Est-ce qu'il y a de l'alcool 2 volts. Bon. Pain de mie, parce qu'après on a pris du jambon et tout. Ça, c'est les premières nécessités, quoi. Là, on a de la viande que j'achète à Carrefour. Comme je disais sur Snap, ça sert à rien de me dire ouais, faut pas prendre la sous-marque, c'est pas de la bonne qualité. Chacun fait ce qu'il veut. Ça fait des années qu'on achète de la viande à Carrefour à des prix vraiment abordable. Surtout que là-bas, il y a un barbecue. Donc, on va se la mettre. Il y a un barbecue, on va mettre ça. Après, j'ai pris des pâtes, jambon. Ah, j'ai oublié le gouda. Bon, j'en ai dans mon frigo. J'ai pris des pâtes et tout. Boulot déjà fait hein, pour ne pas me prendre la tête. Du steak pour les hamburgers et tout. Et puis, je vais compléter avec les pâtes qu'on a déjà à la maison. Hein. À la maison, j'ai de la viande aussi, je comptais en rajouter. Mais vas-y, je pense que ça, pour une semaine, ça va. Hein. Mais bon, après, on n'est pas sûr de rester qu'une semaine, peut-être qu'on va rester un peu plus. Mais sinon, ça va. Là, on rentre. On est au mariage de ma cousine. On a pris des belles, belles, belles photos. On a pris des belles photos. Maintenant, bon, après, on est passé chez des amis à nous. Et là, on rentre. On va dormir, enfin non, on va pas dormir parce qu'il est 7h. Si on dort maintenant, on va se réveiller à 18h et ensuite on sera décalé pour le voyage. Non, là, Mike va
acheté. Là, on est à J. J1, ça veut dire qu'on part demain. On part demain. On part demain. Et là, on est en train de se presser et courir de gauche à droite pour acheter ce qui manque. Bon, là, j'ai coucou mon fils. Ça va? Du coup, Mike, il va se coiffer. Juju aussi va se coiffer. Et il va acheter du goût pour la chicha. Et il faut que j'achète charbon aussi. Ouais, mais on ira tout à l'heure. Tu veux qu'on aille tout à l'heure ensemble? Mais attends, venez, on va tous ensemble. Toi, va chez The Doux, tu vas retirer et tout. Et puis après, venez me chercher avec Jasmine. Tu veux qu'on vienne te chercher? Bah ouais, parce carré, que... Carré, non, c'est mieux, t'as raison. Ouais, c'est mieux. Parce que lui, là, il va me saouler dans... Au salon de coiffure. Ouais, salon de coiffure. Vas-y. Bah vas-y, à tout à l'heure, chérie. Eh, hey, princesse, elle se réveille. Coucou, Lulute. Je dis aux que les bébés dorment les yeux ouverts, on ne croit pas. Là, elle dort, hein. Elle est en train de rêver. Ou elle somnole, je sais pas. Oh, il sourit avec les anges. Elle est trop chou. Ah, là, elle est réveillée. Salut ma belle. Maman t'a réveillée? Ah bah oui, il faut se réveiller. Allez, on s'y tire. Ah oui. Oh là là. Bon là, on est entre copines. Qu'est-ce que je vais faire? Eh, vous savez, maintenant ma fille, c'est ma meilleure amie. Je suis trop contente qu'elle soit dans ma vie. Genre là, j'ai plus besoin de personne. J'ai plus besoin de copines. Je sais que c'est ma copine. C'est trop bien d'avoir une fille. Je savais pas que ça allait être aussi bien. Moi, je voulais un garçon. En premier, je l'ai eu, Dieu merci. Mais je pensais pas qu'une fille, c'était aussi bien qu'un garçon. Je sais pas comment vous dire. Lulute. Ah là, t'as envie de manger. Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je vais commencer les valises. Voilà. Fils. Aujourd'hui, avant. Envoie les vacances. Bouge pas, mon fils. Là, on a électro-dépôt parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on a pris deux hôtels. Enfin, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. En gros, on a réservé un camping, tout ça. Là-bas, il y a le feu et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a réservé aussi un hôtel où on était déjà allé, tu vois. On l'a vraiment trop kiffé, on voulait y retourner. Sauf que dans cet hôtel-là, bah, c'est un hôtel, c'est pas un appart-hôtel. Donc, il n'y a pas de plaque. Je sais pas si vous m'entendez, il n'y a pas de plaque. Voilà, on parlait de ça. Bon, ça, non? On fera la cuisine de force. On a acheté la plaque, plus une tablette. Plus une tablette pour notre fils, parce qu'en ce moment, il fait beaucoup de jeux. Vous savez, les jeux évolutifs, compter, rassembler les lettres. Les bonnes couleurs, les trucs comme ça. Et toujours, il vient nous saouler avec nos téléphones. Donc, de temps en temps, on lui donnera sa tablette. Bien sûr, il ne faut pas qu'il s'accroche. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. On a pris la plaque de cuisson, du coup, pour l'hôtel. Bon, c'est interdit, mais on va le faire. La dernière fois aussi, on avait fait ça. On a pris la tablette pour Johnson. On a pris un drap housse parce qu'en fait dans le camping où on va, ils ne fournissent pas les draps, je pense que c'est à cause du corona. Ensuite j'ai pris une trousse de toilette à Action. Bon, il y avait plus beau, mais ça c'était le plus grand. Une grande maman comme moi, j'ai pas de trousse de maquillage. Mais en fait c'est parce que je n'ai pas l'habitude de sortir avec mon maquillage. Il est toujours bien rangé dans ma coiffeuse. Après on a un petit agenda. Hop.
pour que je puisse prendre des notes pour YouTube, tout et n'importe quoi. Des fois, je suis un peu perdue, même pour les partenariats. Des fois, j'oublie. Des fois, on m'envoie des paiements et j'oublie de faire la pub. C'est galère, quoi. Ensuite, on a... J'ai pris une brouée. En fait, Jojo, il a des brassards. Mais j'ai dit à Mike, on va prendre une brouée, on sait jamais. Voilà. Ah, et on a pris le petit ballon aussi, là. Depuis, il est en train de jouer avec, là. Il en peut plus, hein. T'aimes bien? Oui? Bon. Johnson, dis merci. Merci. Là, je suis à Grigny. J'ai décidé de passer chez ma cousine pour qu'elle me fasse les ongles. Parce que, allez, je vais en vacances. Ça fait du bien d'avoir des beaux ongles, quoi. Mike, il boude. Parce que lui, il conduit. Et on n'a toujours pas fait les valises. Il est déjà presque 22h. Mais voilà, quoi. Ouf, on vient de rentrer, là. Oh là 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 là. Crevé. Eh, mon fils, qu'est pas ça. Ah, il fait chaud à la maison, Mike. C'est la machine. Ah, le sèche-linge. Ça a chauffé toute la maison. Allez, hop, on va ouvrir un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Johnson? Corona. Comptez, allez, comptez. On s'active. C'est parti, je vais faire la valise. Ouais. Vous voyez chez moi? Attendez. C'est les valises. C'est pas les valises qui manquent. Hein. Là, on avait laissé la chambre en bazar un peu là. J'ai juste fait un home tour pour celle qui m'avait demandé. Là, on est dans la cuisine. Hop, 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 hop. Hop, ouais, là, c'est toute ma vaisselle. Bon, les toilettes. Hop là. Où sont les toilettes? Qu'est-ce qu'il y a du jour? Il faut dormir, nous on a des choses à faire. Hop, bon après là c'est du rangement. C'est des coins de rangement comme ça là. Hop. Ici aussi on a un grand coin de rangement. Ici aussi. Heureusement. Là, on est dans la douche. Je l'ai toujours pas fini depuis la dernière fois. Johnson, qu'est-ce pas ça? Fais dodo. On va partir en vacances. Tu vas plus pleurer, là. Ça va te faire du bien. Nickel. Bon, 15 jours, quand même, c'est beaucoup. Donc là, pour mon fils, ma fille, mon mari et moi. Et pour moi, je me demande même... c'est serré, là. Parce que entre mes chapeaux, mes pochettes... Ah bah oui, parce qu'il faut que je prenne des photos... C'est compliqué, quoi. Je pense que je vais m'ajouter une valise. Hein. C'est pas la place qui manque dans la voiture. Alors là, je suis super contente parce que bah, ma trousse, je pensais pas que ma palette de couleurs, elle allait rentrer. Elle est... Waouh, elle est grande, ça. Ah, c'est bien, ça. Bon. Là, je prépare mon sac à perruques parce que je vais prendre des photos. Hein. Ah oui, je vais mettre des perruques juste pour prendre des photos. Bon, papa, il est en train de décharger, là. Mike, t'es en train de ranger en même temps? Je sais pas que je t'ai senti. Vas-y. Je suis choquée. La voiture, elle est énorme. Le coffre, il a avalé toutes les valises. Plus la poussette, plus un sac. Et on va mettre un autre sac, là. Genre ce sac-là. Mais Mike, ce sac-là, mets-le dans le coffre. Du coup, ce sac-là, mets-le dans le coffre. Non, le coffre est balèze. Ça, non plus que ça. C'est mon sac à perruque et compagnie là. C'est parti. C'est mon sac à perruque et compagnie là. C'est parti. Mais carrément, mon sac à main, il est passé. Non, mais ce coffre, il est énorme. Nickel. Bah en fait, on doit changer de voiture et s'acheter une 4x4. Ça, c'était provisoire, mais je crois que celle-là, je vais la garder. Je vais la garder juste pour les voyages. Bon, bah du coup, on a rangé un peu. On ne sent pas les vêtements. On a fait un semblant de rangement comme ça. Vous savez, quand on rentre des vacances, c'est propre. Je me rappelle avant, quand on partait en vacances, vous voyez, j'allais oublier mes chapeaux. Yeah. Qui va aller sur Cannes sans chapeau, vraiment?
Laissez-moi prendre un chapeau. Je disais, avant, quand on partait en vacances, on foutait toujours le bordel. Et on revenait, c'était pas rangé. Bon, maintenant qu'on est adulte, on a tout rangé comme ça. Quand on revient, c'est propre et puis ça fait du bien. Là, Mikey, il habille Johnson. Moi, je vais habiller Jasmine. Et je vais pas oublier mes chapeaux. Là, je vais mettre tous mes diffuseurs à 1. Là, je sais pas comment les régler. C'est Mikey qui se... Je crois que... Il y en a un ici, là. Hey, j'en ai mis partout chez moi, ça sent trop bon. Comment il s'est chez lui? J'ai même envie de les débrancher, mais là, c'est... Il y en a un grand ici, là. Alors, celui de la douche. Là, on va partir, donc, Papa Mike va nous faire une petite prière. Et puis, voilà. Seigneur, je veux que tu protèges ma famille pendant tout ce trajet. Pendant les 15 jours qu'on va passer au Côte d'Azur et à Hadj. Je veux que tu protèges cette maison. Maman! Et que tu écoutes mes prières, s'il te plaît, Seigneur. Amen. Amen, amen. Franchement, les amis, protégez-vous. Je vous le dis jamais assez, mais protégez-vous. Vous savez, même si vous ne priez pas tout le temps, avant de sortir comme ça, Seigneur, protège-moi. Quand tu te réveilles, merci de m'avoir réveillé. Quand tu manges, merci pour ce repas. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut y penser. C'est très important. Bon, j'ai pris 2 chapeaux parce que si je ramène tous mes chapeaux, on va pas s'en sortir. Mike va aux toilettes et ensuite... Nous partons, Lulu. Merci, ma fille. T'es trop belle, ma fille. Toi aussi, t'es beau, mon fils. Allez, maman, ça sur moi. Ou donne à Johnson. C'est un grand, non? Johnson, tiens ça. Aide, maman. Tiens. C'est un grand, maintenant. On peut te... Non, garde-le. Tiens, c'est pour Jasmine. D'accord? Tiens-le. On est à la station. Eh, mon bouton, franchement, je... Oh là là, pourquoi il vient quand je pars en vacances? Sérieux. On est à la station, on va faire le plan. Il est où, Mike? On va faire un bon petit plan, là. Et c'est parti. On a 6h40 de route. Ça va. À la base, on devait faire 8h sans péage. Et vas-y, on s'est dit, on fait avec péage. 30 euros, c'est rien. Waouh, 4 heures sans s'arrêter. Mais vous savez qu'un jour, il a conduit 13 heures sans s'arrêter. On s'est arrêté une fois pour changer la couche et il a continué. Moi, je pourrais pas. Tu veux que je conduise, chérie? Non. Ah, mais toi, t'es fou, toi. Mike, il est comme un enfant, là, juste parce qu'on va passer sur le pont. Tu crois que t'es au steak? C'est dans quelle ville qu'il y a un pont, là? Sans Franquisto, là. Ah! Sans Franquisto! Ah! Jusqu'à là-bas, San Francisco. Ah, on dit San Francisco. Ah, il a des... C'est devenu blanc. San Francisco.